Bon allez, salut tout le monde. Aujourd'hui on est à Saint-Luperce pour la Pass Trail. Ah, c'est une course que j'avais fait il y a 2 ans. J'avais adoré cette course. Bon, l'année dernière avec les problèmes de santé c'était impossible pour moi, mais j'avais adoré cette course et ouais, je suis super content d'être là ce soir. Il fait bon, en plus on a une température, mais je crois même qu'il va faire trop chaud. Mais bon, apparemment il y a des petits passages dans l'eau. Bah, je me lance sur le 9 km, 9,5. Il y a un 14,5, mais bon, non, j'avais pas envie. Voilà, donc 9,5 km et on se retrouve tout à l'heure sur la ligne de départ. Bon allez, c'est parti, c'est le moment de se mettre sur la ligne de départ. Bah, comme d'habitude, je vais me mettre dans les derniers. Hein. Je vais laisser partir la meute. Parce que eux ils sont chauds, moi j'ai chaud, mais les jambes sont pas encore là, donc on va y aller vraiment tranquille et je vais les laisser partir là, comme des fous là, comme des dingues, comme des mecs bien préparés quoi, sauf que je ne le suis pas. C'est parti, la Pass Trail, c'est parti. On y va. On va y aller, on y va tranquille, hein. On va pas non plus se mettre minable pour une reprise. Alors c'est parti, tranquillou, bilou, comme je dis. Bon, en tout cas, il y a du public, hein. Il y a des encouragements. On va voir si eux ils vont nous encourager, attention, on va voir. Allez, on applaudit les coureurs là, voilà, exactement. Bon, faut leur demander, mais bon. Allez, on applaudit les coureurs là, parce qu'ils y vont, voilà. Non, pas tous, bon. Au moins elle est honnête, elle m'a dit. J'adore. Ah, un petit jet d'eau, tiens, allez. Il fait déjà chaud, on va aller au jet d'eau. Au jet d'eau. Vas-y. Ah. Merci. Ah mais ça c'est génial ça. Ah, allez. Tous les 10 mètres. Alors là, je me souviens de ce qu'il va y avoir. What? Merci. Il va y avoir un passage d'eau. Yes. Un passage où on va se tremper les pieds. Yes. Allez, premier passage de flotte. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Allez. Et ben voilà, ça y est, on est au frais. C'est bon. Ouais. Bon, allez. Oh, il est déjà là, lui. Non, lui, il est déjà là. Regardez, en marchant, il va plus vite que moi. Non, démoralisant. Oh là là. Lui il va plus vite que moi en marchant, pas possible. Non mais attends. Bon allez, 1,5 km. Là on arrive sur des petits chemins. Merci. Bon allez, deuxième kilomètre et on arrive au premier ravito. Ça c'est cool. Ils ont vu que il allait y avoir des fortes chaleurs. Tout de suite action-réaction et ils ont mis un petit point d'eau. Ça c'est top ça. Merci. Super joli ici donc. Franchement, ouais, qu'un petit lavoir. Pas mal. Allez, on continue. Hein. Bon, allez, j'arrive au troisième kilomètre. Allez, et je suis déjà trop rapide. Comme d'habitude. Trop rapide. C'est agréable d'entendre la musique classique. En pleine campagne,
Mais j'adore. J'adore. Bravo, merci. Non mais franchement, super agréable. Je trouve ça génial. Bravo, jeune fille. Allez, là je me souviens, on arrive dans une forêt, dans un petit bois. Et mon souvenir était que c'était super sympa. Voilà. Parce que ça monte, ça descend. Ça monte et descend. Allez, petit bois, j'ai mis ma frontale, histoire de pas me faire une cheville non plus. Merci. Et voilà. Voilà, on se voit. Mais là, je vais vraiment y aller tranquille, histoire de faire attention. Eh ben regardez qui arrive. Qui arrive? Mon Maxou. Mon Maxou. Putain, 14,5 il fait. Yes. Wouh. Allez, bonne course mon pote. Allez. Sur cette course, ce qui est génial, c'est que les bénévoles sont à fond. J'avais le souvenir il y a 2 ans, et c'est exactement ça. Il y a des points de musique quasiment à chaque carrefour quand il y a des bénévoles. Et voilà, ça met une ambiance et c'est top. Allez, on va continuer, on arrive au 5 km 2. Bon, c'est bon, hein. On y va, continue. Bon, allez, j'ai passé les 6 km. 6 km 2 là, je suis au bout de ma life, je suis au bout là, oh putain, je suis au bout, j'ai encore géré ça comme une lose. Bon, je me dis qu'il reste un peu plus de 3 bornes, ça normalement j'en suis capable, mais merde, encore une fois j'ai j'ai voulu la jouer au talent, mais bon, le talent était pas au rendez-vous aujourd'hui. Allez, on continue. Allez, arrive le moment du ravito. Oh la vache, il fait chaud. Oh, j'ai l'impression de me traîner. Oh. Horrible. Il y a très peu d'air. Et putain. Bon, ça va, j'arrive à parler, vous voyez, donc je suis pas non plus dans le gros rouge foncé. Mais ouh, pas facile, hein. Allez, on se retrouve après le ravito. Parce que là, je vais faire une petite pause, hein, je vais boire. Moi, je m'en fous du chrono. Donc, comme je m'en fous, si j'ai soif, eh ben, j'ai soif. Voilà. Bon, allez, on arrive au ravito pour boire. Oh, ça sent le barbecue en plus. On peut avoir une saucisse, non? Tu aurais lunettes. Non? Ça sent la saucisse, là, non? Hein? Ça sent le barbecue, là. Oh, pardon. C'est la folie! T'as de l'eau s'il te plaît? Bonsoir, ça va? Ouais, super! Tu as regardé comment ils sont là? Ça va bien? Il y a le fût là! Ah non, c'est de l'eau! Merci! Putain, il y a un barbecue là, ça me donne envie! Il vous reste des saucisses non? On va les mettre! On va être tranquille, hein, c'est bon, on a le temps! Hein. Franchement, on est bien, on s'en fout, franchement, bien, ça va bien. Ça va bien? Ouais? Ça va, ça va. On est bien. Ça va? Ça va et quoi? Oh là là, ça va très bien, l'artiste, bah, ça va bien. C'est cool. Difficile, l'artiste. Après l'ultra, bon alors. C'est le bon vieux, c'est le quoi? 175. T'es prêt, bébé? Axel, on y va? Allez, bon courage, hein. Allez, salut. Ah, c'est mon rosé. Bon bah, merci beaucoup. Allez. Bon courage. Merci. Ah oh, bah vous avez vu comment ils sont là? Eh, trop fort. Emilia me rattrape. Lui qui est sous le 14. Je suis trop bien. Allez, bon bah vas-y alors. Il est trop bien, bah, pas comme son père. Mais bon. Sacrileur. Sinon. Oh là là, il y a des moucherons là. Et puis là oui, il y a une montée. Et si je vais tout droit, c'est bon aussi? Merci. Regardez-moi cette ambiance là. Ouais. Allez. Vous avez vu ça un peu? Il faut venir à Saint-Lupers hein, pour la passe trail. Bon allez, encore un passage rivière.
comme je l'aime, comme j'aime, regardez. Et... Allez. Ah, non, il ne faut pas taper. On tape ? Allez, on tape. Merci. Bon, j'allais oublier. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Et puis la totale, quoi. Hein ? T'oublie pas, et puis comme ça, ça sera nickel. D'accord ? Ok, on fait comme ça ? On fait comme ça. Ah, mais c'est génial ! C'est génial ! C'est par là qu'on va ! On fait pas le tour du lac ! C'est génial, on fait pas le tour du lac ! C'est génial ! Parce que je me souviens du tour de lac de la dernière fois. Oh là, ça m'avait cassé les pattes. Mais là, non, on fait pas le tour ! Mais c'est top ! Bon, là, on arrive. Comme vous voyez, hein, si moi j'y arrive, franchement, vous pouvez le faire. Faites-le avec... avec rigolade, faites-le avec plaisir, amusez-vous et puis vous prenez pas la tête avec le chrono, on s'en fout, surtout sur des courses comme celle-ci, franchement, on y va, on prend plaisir et puis voilà. Hein ? Allez, je vous emmène avec moi sur la ligne d'arrivée. Merci, génial, on arrive. La dernière fois que j'étais venu, il y avait plus de flambeau, j'étais arrivé trop tard. Allez, ah mais c'est top. On y va. Et voilà, ça y est, la passerelle définie. Merci. Bon allez, la passerelle c'est fini. Franchement, une course que j'adore. L'organisation est vraiment top. Il y a des bénévoles partout en pleine campagne. Non mais franchement c'est génial. Et puis Emilien aussi, lui il était sur le 14,5. T'as aimé cette course ? Génial. Franchement, sur commande, elle est énorme. Elle est énorme. Non, franchement c'est super. Faut vraiment venir. Et puis si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Puis bah moi je te dis salut